La justice sportive italienne réexaminait le cas de la Juventus de Turin. Jugé en appel, le club piémontais encourait une pénalité de 9 points, après avoir été acquitté en avril dernier pour de potentielles fraudes comptables lors de transferts. Alors qu'elle avait été acquittée en avril dernier, la Juventus de Turin a été jugée en appel ce vendredi dans l'histoire qui la lie, avec d'autres clubs italiens, à une affaire de supposée fraude comptable lors de nombreux transferts. Ils sont accusés d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et avoir ainsi enregistré dans leur compte des bénéfices injustifiés. C'est le procureur fédéral, Giuseppe Chinet, qui avait saisi la cour d'appel de la fédération italienne pour lui demander la réouverture de la procédure, après que de nouveaux éléments eussent été découverts. Ce vendredi, il a réclamé une pénalité de 9 points contre l'actuel 3e de Serie A, a appris l'AFP de sources fédérales, confirmant des informations de la presse italienne. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, la sanction va être plus lourde. Le journaliste est en mesure d'affirmer que 15 points seront retirés à la Juventus de Turin. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres infos.